Donc, pour le test du nerf saphène ou le pronée extension, la personne, elle est couchée sur le ventre. Donc, on va venir supporter la cuisse et la jambe de la personne pour venir engendrer en premier lieu une extension de la hanche, une rotation externe de la hanche. On va s'assurer de maintenir l'extension au niveau du genou. Puis au niveau de la cheville, on peut venir chercher un mouvement de flexion dorsale éversion. Et à la toute fin, si on n'a pas de reproduction du symptôme, on peut venir ajouter une abduction au niveau de l'hanche.